Bon, ben, on se retrouve au petit matin sur ce spot. Il a fait très 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 froid cette nuit. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à Oradour-sur-Glane. On s'est laissé dans la précédente vidéo sur ce spot. Donc ouais, comme je le disais, il a fait très froid. L'Obé Basto, il a bien marché parce qu'il a fait quand même bien froid dans la nuit. Et ouais, et là, on s'est reposé ce matin. On a pris le temps. On a fait un peu la grasse mat, on s'est reposé parce que ça sert aussi à ça de partir un peu en vacances et de couper. Ouais, je me mets là, je serais moins ébloui par le soleil parce que c'est chiant de se filmer avec le soleil dans la tronche. Alors cette nuit, on a été rejoints sur ce petit spot là. Hein. On était deux camping-cars hier soir et il y a eu un fourgon aménagé, il y a un autre camping-car qui nous a rejoints. Alors bon, aujourd'hui ça va être une visite un peu particulière, hein, forcément. Village Martyr, on va pas, hein, c'est pas le Futuroscope, hein, c'est pas une attraction, hein, c'est assez symbolique et on va être très discret, hein, donc. Donc voilà, je viens dire à Alia, on va lui faire comprendre. On a regardé un petit reportage hier déjà pour lui faire comprendre. Et on va aller voir ça. Donc voilà. Donc ouais, après on va aller faire la visite du village Martyr. Alors pour la petite histoire, hein, ceux qui ne connaissent pas, c'est un village pendant, donc en fin 1944, un village qui a subi un massacre par les nazis. Donc il y a eu plus de 640 victimes. Donc tu as tous les nazis qui avaient mis les hommes dans une grange, ils les ont tous abattus. Et ensuite, toutes les femmes et les enfants ont été mis à l'église et ils ont voulu les asphyxier, mais ça n'a pas marché. Parce que les vitraux de l'église, ils ont pété. Et du coup, ça n'a pas marché. Et du coup, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient, ils ont foutu le feu et ils ont massacré tout le monde, quoi. Il ne restait que, je crois, très peu de survivants, je crois. Et une femme qui s'est échappée, je crois, de l'église, mais apparemment, d'après ce que j'avais regardé, non, il n'y a pas eu beaucoup de survivants, quoi. Quelques hommes, je crois, il y en avait un qui est un monsieur qui a eu 96 ans, qui avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça sur internet, et il avait les corps en fait étaient sur lui, et du coup, il a réussi à s'en sortir comme ça, donc voilà. Donc voilà, je ne suis pas historien hein, non plus, hein, mais bon, voilà, moi je vais aller, on va aller visiter ça, on va voir un petit peu. Bon, là, on est dans la nouvelle ville. Avec la mairie. Le contraste, il va être saisissant quand on va arriver dans l'ancien village qui est là-bas au fond. Bon voilà, on y arrive. Donc là on va tout de suite avoir le contraste. Voilà, l'ancien village là-bas. Tout est en ruine. Je vous apprends rien. Encore les rails. Il y avait un tram.
C'est la mairie et l'école des garçons. Et ça c'est quoi? Tissu? Machine à coudre là-bas. Là aussi. Là aussi. Ouais, sur la place là. Ils ont rassemblé toute la population du village. Mais on a vu beaucoup. Ah est-ce que oui. Ça dépassait de... Il y avait plus de 600 personnes. Mais 600 personnes. 600 personnes. 600 personnes dans tout ce terrain. Ah oui. Oui, il y avait 600 personnes et après ils ont séparé les filles, les femmes et les enfants. Et les messieurs d'un côté et de l'autre, et puis ils ont tué tous les messieurs, et après ils ont voulu tuer les femmes et les enfants dans l'église, qu'on va aller voir après. Là-bas il y a le monument, il y a le monument qu'ils ont fait. Ils ont fait un monument là-bas, on ira voir après. Par contre, on est juste un petit peu déçu, c'est que le musée en fait. Le centre de la mémoire, et eh ben il est fermé en fait. Je pensais qu'il était ouvert sur Google, j'avais vu que c'était ouvert, et en fait sur le site de la commune, j'ai vu qu'il était fermé pendant les fêtes. Donc bon, un peu décevant parce que j'aurais voulu voir des choses un peu plus d'époque, enfin un peu plus d'époque, je veux dire des documents, des photos, enfin beaucoup beaucoup de choses. Au final, on le verra pas. Tant pis. Bon, je pense que c'est de cette ancienne grange là que le monsieur que vous voyez de temps en temps passer sur à la télé ou sur des vidéos sur internet,
qui est interviewé des fois sur YouTube. Monsieur a aujourd'hui 96 ans, il s'est échappé de cette grange. Je suis quasiment sûr que c'est celle-là. Hein. Vu que c'est marqué là, je pense que c'est celle-ci. C'est un des rares survivants qui témoigne encore. Allez, ici, troisième lieu. Alors d'après ce que j'avais compris, il y a eu un coup de feu. C'était le signal en fait pour massacrer tout le monde. Et les ont mitraillés. Enfin tous les hommes. Hein. Et là c'est l'église. Alors je sais pas si vous imaginez, mais ils ont mis toutes les femmes et les enfants dedans. Et ils les ont tués dans l'église quoi. Ils ont mis le feu à l'église quoi. Zigouiller toutes les femmes et tous les enfants dans une église. Putain, je sais pas, mais c'est le truc le plus horrible. Dans une église quoi. Enfin, je sais pas, c'est. Horrible. Ça, c'est ce qui reste de la cloche de l'église. Je l'avais vu ça. Là, ça, ici, c'est tous les impacts de balles. Tous les impacts de balles. Et il y a une femme qui a réussi à se sauver par le vitrail. Là, il y a une survivante qui s'était échappée. Par la porte ? Par la porte, non, par le vitrail. Oh. Elle a escaladé, elle s'est sauvée. Voilà, c'est les impacts de balles que tu as là. T'imagines un peu ? Dans une église quand même. Ça crée des enfants et des femmes dans une église. C'est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Qui s'est échappé de l'école. École enfantine.
visiter. Ouais, t'as vu mon lapin? 12 ans, 16 ans. Eh oui. 8 ans, 6 ans. Regarde, regarde là, regarde. Non, là c'est... 4 mois, t'imagines? Et là, elle avait 2 mois. Eh oui, 2 mois là-haut, oui. Tu te rends compte un peu? Puis vas-y, hein. Fais-y. Les âges des personnes. 2 mois, 4 mois. Et même pas de prénom. 8 jours. Oh, horrible. 8 jours. T'imagines un peu? Tu vois? T'as Hubert et Daniel. 5 ans et 3 ans. C'est des frères. On vient de regarder un petit peu en se renseignant. Le dernier témoin, monsieur qui s'était échappé de la grange, un certain Robert, je sais plus son nom, et bien, je pensais qu'il était encore vivant parce que je l'avais vu 96 ans passer à des émissions télé. Et en fait, j'ai vu, on vient de regarder sur internet, et en fait, il est décédé cette année. Il est parti cette année à l'âge de 97 ans. Donc voilà, petite parenthèse. C'est poignant comme endroit quand même, c'est... Il y en avait une qui avait 6 ans, et une autre qui avait. C'est quoi des cendres? Les cendres, c'est une fois que les gens ils ont été brûlés, c'est ce qui reste. C'est les os? Ouais, les os, oui. Enfin, les os brûlés. Ça veut dire là, il y a une partie des gens brûlés? Oui. Tu vois? C'est le caveau de la madame qui s'est échappée. Donc on a vu un monsieur au cimetière qui nous a expliqué pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il nous a montré le caveau de la rescapée qui s'est sauvée par le vitreau de l'église. Il nous a montré, il nous a expliqué, des choses, des trucs, ben, voilà quoi. Il nous a un peu expliqué et puis c'est un monsieur du coin, il était vachement calé, bon il était d'un certain âge, alors bon, il nous a expliqué un petit peu. Et voilà, bon, enfin bref, cette vidéo, bon, hein, je vais la monter, je suis en train de filmer, je vais la monter, je filme assez discrètement, je fais pas, on fait pas trop de bruit, on fait pas, voilà. C'est un peu particulier en fait, de se dire que je vais monter cette vidéo et la publier. Je suis pas le premier à le faire et je serai certainement pas le dernier, je vais le faire, bon, moi personnellement, je gagne 0 euros hein, sur YouTube, donc il y a pas de gain, il y a rien par rapport à ça, ce que je trouve un peu particulier de poser... une vidéo sur laquelle on va faire de l'argent sur la mémoire des gens. C'est un peu particulier, moi j'ai un peu de retenue avec ça. Je vais monter cette vidéo, mais c'est vraiment pour montrer un peu aux gens qui peuvent pas venir. Voilà, c'est uniquement ça. Donc voilà, je voulais être clair là-dessus. Parce que c'est marquant quand même comme endroit. Hein. En vrai, c'est marquant. Hein. Vraiment, vraiment, c'est marquant. Bon, allez. Normal, tout a brûlé. Les cendres, c'est ce que je t'ai fait voir tout à l'heure. Je m'en souviens plus. Ben, c'est tout ce qui reste quand c'est brûlé. Ah oui.
Ouais, je me posais la question, mais tous les murets qui entourent le village ont été construits après. Tu vois le contraste avant l'avant et l'après. Bon, ma toutoune, ça t'a plu? Oui. C'est dommage que le musée n'était pas ouvert. Ouais. On aurait pu en voir un peu plus. Bon, bah, changement d'ambiance, hein, on revient avec des courses. Direction le camping-car, on rentre. Donc, bah, Oradour, c'est bien, c'est à voir. Au moins pour la mémoire. Je vais au parc. Ah. Tu vas au parc? Ouais, je vais au parc. Ouais, vas-y. Je vais. Allez! Tu manges quoi? Elle court! C'est joli, c'est reposant ici. C'est calme. Bon petit point sur Oradour, Oradour-sur-Glane, le village martyr. Alors bon, on va pas vous dire ce qu'on en a pensé, hein. Y a rien à en penser, hein. Y a juste à visiter. Et puis c'est un peu voilà quoi, c'est surtout histoire de se rappeler, c'est la mémoire, c'est l'histoire. Et puis voilà, tout simplement. Ensuite, bon bah voilà, hein, faire une vidéo dessus, c'est un peu particulier, je vous l'ai dit. Pour ceux qui... Quoi ? Ouais, j'arrive. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir ici un jour le voir, c'est bien de le voir en vidéo. Sinon, le mieux c'est de le voir en vrai, hein, parce que le voir en vidéo c'est bien. Venir ici, constater en vrai, et être marqué un peu par l'endroit, c'est très différent que le voir en vidéo. Enfin voilà, et ben point sur cette journée. On est bien content de l'avoir quand même vu. Ça faisait plusieurs années qu'on en parlait, qu'on se disait tiens, un de ces jours faudrait venir quand même voir un peu et puis s'imprégner un peu de l'endroit, et ben c'est chose faite. Donc voilà, c'était sur notre chemin, donc on s'est arrêté. C'est peut-être pas la... Bon, il n'y a pas vraiment de meilleure saison ou de pas meilleure saison pour venir, hein. C'est juste dommage de ne pas avoir pu compléter ça avec le musée. J'aurais bien voulu voir le centre là-bas, voir un peu ce qui aurait pu compléter un peu ma visite. Et puis, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. C'est quand même plus joyeux. Hein. Ouais, changement d'ambiance un peu dans la vidéo, c'est vrai que c'est mieux. Hein. On va passer à quelque chose de beaucoup plus vivant. Et puis voilà, bon, de toute façon, nous, la vidéo, elle va... Hein ? Attention, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Ah bah oui. Bon allez, nous on va aller, hey, on sait ce qu'on va faire Lia, on va aller au camping-car et puis on va faire un chocolat avec un chocolat chaud. On va prendre un brownies, on a acheté un brownies et de la crème anglaise. Ça va faire plaisir. Ok. Bon allez, nous on vous dit au revoir, on vous dit à la prochaine vidéo parce que demain on part direction Limoges. On n'est pas loin, hein. on est à 20-25 minutes. On va aller sur Limoges, on va visiter un petit peu le centre de Limoges et voir un peu tout ça. Et puis ça sera... Ah, c'est un centre-ville, c'est une grande ville quand même, Limoges. Donc on va aller voir ça, on va se promener un petit peu demain. Ça sera beaucoup plus décontracté qu'aujourd'hui, forcément. Et puis après c'est tout. Après on rentre, après on revient, c'est tout. On est sur le retour. Alia, elle est contente de revenir parce qu'elle va aller ouvrir tous ses cadeaux que le Père Noël il a dû mettre. Et puis voilà. Allez. Est-ce qu'on pourra filmer quand je vais ouvrir mes cadeaux? Ah, tu filmeras les ouvertures de cadeaux. Tu filmeras. Ouais, je filmerai. Ok, ça marche. Allez, des bisous. Au revoir. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.